Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite nouvelle astuce. Cette nouvelle astuce aujourd'hui est l'astuce numéro 12. Elle consiste à améliorer le procédé TCP. TCP, c'est l'envoi des. Non, je me trompe, désolé. C'est un algorithme de Microsoft. Donc, ça vient de Microsoft. C'est un cadre de Winstar et Windows Server 2008, et puis le DCB. Vous inquiétez pas, pour améliorer ça, marche sur tous les Windows, Windows 7 et tout. Moi, je suis sur Windows 7 et ça a très bien marché, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, ce TCP-là, c'est l'envoi et les données et tout. Et pour améliorer ce TCP aussi, ça améliore aussi peut-être votre connexion. Moi, avant, j'avais du 500 co par seconde, et avec l'amélioration comme ça, j'en ai gagné 150 co par seconde. Et oui, parce que normalement les connexions, vous avez par exemple du ADSL plus parfois, et le, par exemple moi je suis sur Bouygues et il me propose d'avoir 2 mégas d'internet, alors que j'en ai que 750. J'en avais 500 avant. Ben, j'ai réussi à gagner 150 co dessus et je suis à 750 qui me permet d'avoir une meilleure connexion. Mais je suis toujours à la recherche de nouvelles choses pouvoir et tout pour pouvoir faire ça pour améliorer et tout. Donc pour améliorer ce TCP là, ça va être très simple. Vous allez dans démarrer, vous refaites CEMD, merde, j'ai mis un L, CMD, vous les exécutez en tant qu'administrateur. Ah. Puis là, vous tapez NETSH, NETSH, espace, INT, INT, TCP, SHOOM, SHOW, global. Et vous tapez entrée. Là, il va vous rechercher quelques petits trucs. Alors, la valeur qu'on va changer, c'est le fournisseur de CTRL sur charge compte. Vous, ça sera sur None, normalement. Sur None. Alors, on va la mettre sur CTCP. Pour la mettre sur CTCP, ça va être très simple. Vous allez refaire la commande. Avec les flèches droite, gauche et tout, vous tapez sur celle qui va vers le haut. Voilà. Comme ça évite de retaper certaines commandes. Et vous effacez jusque le TCP. TCP, vous ne l'effacez pas. Voilà. À la place, on va mettre 7 SET. Global. Conjection. Provider tout en attachant égal CTCP. Vous appuyez sur entrée et là normalement ça devrait être écrit OK. Puis vous refaites hop hop pour réavoir ça et vous appuyez sur entrée. Et normalement, votre fournisseur de CELT sur charge compte, ça sera sur CTCP. Vous aurez juste à hésiter et à redémarrer votre ordinateur pour profiter au mieux de votre connexion, de votre navigateur. Si cette sur ce truc-là, ça vous a aidé de gagner quelques co par seconde comme moi. Ou par exemple, même si vous avez du 700 et que vous êtes arrivé à 1 mot par seconde, dites-moi merci comme mon commentaire, mettez-moi un petit pouce vert, un petit j'aime, on va dire. Abonnez-vous et likez cette vidéo. J'espère vous avoir aidé, partagez-la et tout et tout. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!